Hola chicos, avec cette vidéo je vais vous expliquer exactement qu'est-ce que vous devez faire dans les devoirs numéro 2. Voilà le document de transcription dans lequel vous pouvez voir toute la vidéo numéro 1 déjà à l'écrit. D'accord? Alors ici, les choses que je veux, c'est que vous trouvez tout le vocabulaire de l'ordinateur. On va surligner chaque mot. Et après, dans les cahiers ou dans l'ordinateur, on va écrire chaque mot et on va les traduire en français. On va faire un exemple avec la ligne 1. Este es mi ordenador. Tiene teclado, una pantalla de 19 pulgadas, ratón y... Après, il continue, d'accord? Alors, on va surligner tous les mots que nous avons déjà étudiés. Le premier, c'est ordenador. Si vous voulez, je vais utiliser une autre couleur un peu plus fort. Par exemple, cette couleur-là. Alors, commençons. Ordenador. Tiene teclado. Teclado. Una pantalla de 19 pulgadas. Pantalla. Raton. Nous avons ici quatre mots. D'accord? Il faut faire comme ça pour tout le texte. Alors, en bas, passer. Ah, on va passer c'est notre ordinateur, notre cahier, et on va écrire les quatre mots qu'on vient de voir. Ordenador. Ordenador. Teclado. Teclado. Pantalla. Pantalla. Y ratón. Atención a la pronunciación ratón. ¿De acuerdo? Maintenant, on va les traduire en bleu, par exemple. Ordenador. En français, se dit ordinateur. Teclado. En français, se dit clavier. Pantalla. En français, se dit écran. Y ratón. En français, c'est souris. ¿De acuerdo? Este es el ejemplo para todo el texto. Vous devez faire ça pour tous les tests. N'oubliez pas de faire une photo de ces exercices 1 et 2. D'accord? Et me les envoyer. Si vous l'avez fait par l'ordinateur, vous devez me faire une photo. Pardon, vous me, devez m'envoyer le document. C'est lui, le devoir numéro 2 que vous avez fait. D'accord? Merci beaucoup et à vendredi.